en tant que personne, l'idée qu'on recevait la caillerie, son choc parce que tué un monde, y a un humain, y a un père de famille, y a un mari, et parce que tué président y a un pays, ça et puis tué dans condition où tué là, en dans la caillerie, dans la chambre, et c'est le seul qui mourit depuis. Hein. C'est inacceptable, c'est lui-même. Non, m'a dit que sécurité président son bagage qui est organisé de manière professionnelle et institutionnelle. C'est-à-dire? Eh bien, depuis le premier mandat du président René Préval, en 1996, il y a des dispositions qui prend à travers la police nationale pour gagner 3 unités qui occupaient principalement de la sécurité du président de la République. Trois unités SAO, c'est UAGPN, qui c'est l'unité de sécurité générale du palais national. Les mêmes missions, c'est contrôler les voies d'accès. Par exemple, dans le palais, pour entrer dans le palais, c'est UAGPN. Tout périmètre externe, c'est-à-dire que pour entrer dans la cour avec le président, le président sorti tout, c'est lui qui fait advance, ça veut dire que c'est lui qui est devant. Mm-hmm. Ou capable voici président, voilà pas son côté, il y a plusieurs policiers qui campaient dans des positions stratégiques. Pour prévenir. C'est wall paio. Assuré de passage là. Ou gagne une deuxième unité qui c'est USP, unité sécurité présidentielle, lui-même lycée, il y a des agents qui depuis le Sato, mon de sécurité présidentielle là et monsieur Sayo USPO yo, c'est monde qui entraîné même sous ouais ouverte là gen outil en bas vers là mais c'est pour il faut pas effrayer les gens mais subtil on pas capable bon président quand pour un côté puis gon bande monde bande gros c'est ça le qu'on ouais longtemps président gon image de paix de sérénité pour nous sentir en sécurité en même temps lui même tout en sécurité parce que périmètre quand ton président est son périmètre qui contrôlé et puis gon troisième unité 4 team là qui c'est Sizoka. Donc arrêtez le comme ça. Sizoka veut dire que il là pour faire affront. Tout venant bon. Oui, si gon attaque qui fait, ça fait long cortège présidentiel a passé. Machine qui là dans lieu c'est pas pour plaisir là. Chaque machine gagne mission paio. Et si tu as un obstacle dans la rue, gagne monde qui pour goumer contre monde qui fait attaque yo, gagne monde qui pour continuer faire route là pour aller à président. Se font attaque sur président dans palais national ou bien la Kaili, faut gagne monde qui prévoit voie d'évacuation qui vient après. Parce que président, ou bien VIP a protégé, comme on a parlé de président, et le président de la République, c'est l'homme le plus protégé du pays. Et pays a payé comme pour ça, pays a dépensé comme pour ça, pays a formé monde pour ça. Et ce n'est pas président Jovenel Moïse qui créait Corps Sécurité, le président Boniface. Seule lettre de modification, c'est lors de. Du deuxième mandat du président ici dans 2004, il y a un petit changement de TC fait et une compagnie étrangère qui est venue. Tout de suite après son renversement, il est venu corriger l'encore. Et la plupart des gens qui sont dans le corps, c'est des professionnels. Alors, son corps, alors, il y a 4 personnes qui coordonnent la sécurité président. Parce que chaque dans l'unité, il y a un chef et il y a un monde qui coordonne les 3. Alors, l'autre a parlé de complicité, on est capable de dire. De monde qui a assuré le président, la sécurité du président, son bail qui paraît mon rêve. Est-ce que 4 personnes, tout cachent ensemble pour faire un complot contre le président? Je m'a posé question, parce que ces questions m'obligent à poser, mais c'est des questions qui sont vraiment troublantes et dérangeantes. Une question que je pose également, je trouve que c'est inimaginable que dans l'attaque, ça, c'est uniquement le président qui mourit, c'est madame l'équipe, selon toute information, prend balle. Pas rien de gratuit, même si on a agence là qui, selon l'explication que vous partagez avec nous, a également un périmètre de résidence privée, président, M. Evans Ball. Parce que l'accès, la première question c'est l'accès. Comment pour entrer? Bon, il n'y a pas besoin de président de la République, quel que soit mon nom, ou bien, second, il y a une barrière, ou bien, il n'y a pas entrer comme président, n'importe qui, Jean. Moi-même, moi connais. Président, pas de chambre qui disait, il y a 10 millions, alors pas qu'on entre dans la chambre. Il y a 10 millions de chambre qui disait, il y a un cas là pour arriver dans la chambre. Alors il y a tellement de questions. Et la sécurité d'un président gagne toutes des dispositions stratégiques qui prend par rapport à cas là. Il est clair que
la maison où habitait le président n'était pas appropriée pour être une résidence présidentielle. Aussi, pour des raisons, pour Jean Kaila, côté Kaila situé, pas côté qu'on l'autre voie de sortie, etc. Bon, ça c'est une autre question. Mais même si ça, il y a assez de dispositions, il y a assez d'obstacles. Parce que comment c'est qu'il y a obstacle depuis sur la route de Kinskoff pour entrer dans Pelerin 5 ans, gagner un backup qui est toujours là. Mm-hmm. Bon, quel que soit côté à passer, parce que si vous avez des professionnels qui ont fait sécurité au président, c'est que vous pensez que vous avez la capacité et la formation pour garder toute éventualité, tout ça que tu as présenté, et vous avez pris des dispositions, vous êtes capable d'anticiper. Alors, ces questions à poser. Cependant, faut nous faire garder l'aspect sociologique là. Mm-hmm. C'est-à-dire le fait que yo dit c'est dié. Gon mentalité et c'est une opération li gon côté technique mais gon côté sociologique. Et ou gen pression moun ka fò opération stratégique. Ou stratégique yo dit que depuis quelque temps si dié vient arrêter moun ou coupable. Jugement beaucoup. Me songer qu'il y a un ancien policier qui dit il est allé avec lui. Après ça, il vient monsieur pas coupable de tourner dans le pays. Mais depuis c'est dit carré ton monde, il est coupable. Opération. Et pour regarder comment opération a mené. Comment pour dire il a entré caillon président pour dire ouvert bah au passé. Alors, mais il a joué sous mentalité à tout. Sous mentalité comme c'est dit hier, c'est blanc américain. Il doit entrer là ouvrir côté ouvrir. Ça c'est une première. Et considération d'ordre sociologique qu'on est capable de faire. Bon, deuxième considération d'ordre sociologique, je m'ai essayé d'analyser pour qui ça, ce sont certains commandos étrangers. Parce que si accès est facile comme ça, pour qu'ils soient obligés de chercher de l'autre côté, puisque de vous faire entrer dans la chambre, on a n'importe quoi qui tue. Mm-hmm. Et ça fait une polémique, qu'est-ce qui tue, qu'est-ce qui ne tue pas. Mais pas oublier que dans la mentalité haïtienne, nous pas tuer le président. Facilement. Mm-hmm. Et me poser question à des soldats et après le coup d'état de 1991. Yo dit l'autre président toute femme ou fou. Question, mentalité ou pas joie que ça. Yo gen droit difficilement de jeune monde qui veut tuer président en Haïti. Et ça fait chercher mercenaire parce que mercenaire là dans toute complication ça. Et la vie au monde ou payer yo sans état d'âme. C'est bon pour les mieux grands jeunes, c'est pas bah idéologique à régler. Des hommes de main. Des hommes de main, c'est des, ça. Des oui. Auteurs soulevés d'exécution d'ordre. Gain droit, pour des raisons d'ordre, par contre, sociologique, etc. Ils ont pas voulu engager Haïtiens, tuer président, et puis ils ont cherché des gens qui n'ont pas de mentalité ça pour tuer président. Parce que dans l'histoire, nous, comme le monde dit déjà, nous n'avons pas l'habitude de tuer président. Il y a un peu de monde qui dit que le président ne va pas mourir par balle, selon. Dernière image qui a circulé là, qui malheureusement choquante, l'image d'un président a circulé comme ça, encore mort. Mais il y a des gens qui disent que c'est peut-être après coup, après torture, et que tu as fait des tentatives de simer balle sous les mains. Premièrement, le président passe en un monde qui mourit par balle. Comment comprendre cette là? Bon, moi-même, je voulais quitter scientifique qui fait enquête là, mais qualité torture. Image que tu as montré président subi, moun ne peut pas résister à torture ça. Moun ne peut pas imaginer qu'un président haïtien a dû subir de. Quel que soit moun, pas même un président, personne moun ne peut pas subir ça. C'est-à-dire, tout le monde ou gon limite ou ka résister. Que y a gon limite de souffrance li ka pran. Si ou dit ou kasse pour être un monde, ou kasse pied, ou pète yeux, moun ne pas exister encore. Li pas exister. Li gen doit. Pourquoi fin mourir net, mais elle pas existé encore. Parce que tel acte a eu un message derrière lui, cette torture, l'immensité de. Alors, t'es gon haine, t'es gon ou bah que bah fin comprendre. Mais mon cap dit pour signer qui ça? Et ça me t'a pas demandé qui ça? Signer la base de. Mais signer qui ça? Bon, président de Cassini, pour qui va gagner? Qui va le sale signer t'as gagné? Bon, même dans la justice. Si on fait un bagage sous pression, qui va le gagner? Admettons que lui a fait le signe démission, ou bien il a dit demander le signe un chèque. Ça n'a pas de sens. Ou qu'a fait un chèque. Si un chèque là, d'ailleurs, bon, on signe un truc pas ça. Deuxièmement, si un chèque là-bas, on bloque l'après. Ça, c'est cette foutaise. Comment le président signe? Signe quelle démission? Soit il y a un modèle démissionnaire. On prend, ce sont des questions. Mais, l'acte. Du 6-7 juillet
c'est le dernier assassinat de Jovenel Moïse. Et mesurez-moi, c'est le dernier assassinat. Mm-hmm. Parce c'est que qu'on a assassiné l'avant. Ok. Parce que, il y a une théorie qui existait, il y a eu assassination de caractère, il y a tout le caractère. Gonjan yo présenté, Gonjan yo préparé l'opinion contre n'importe quel cas. Et j'ai l'impression dans le calcul qui fait sur l'assassinat de Jovenel Moïse là, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait. Peut-être mercenaires ont été à l'aise dans la zone. Ils pensaient qu'ils allaient courir dans l'arrière comme des héros. Parce qu'ils ont dit son président. Personne ne parle dans le pays. Hein? Monsieur pas représentant rien contre l'autre monde qui dit ça déjà. L'offre de tout, il ne peut pas prendre la rue. Et puis, il va aller la Colombie venir comme. Un pays sauveur. Oui, un pays sauveur d'Haïti. Alors, gagner calcul ça yo qui fait tout, mais il y a trompé d'intelligence peuple haïtien. Parce que peuple haïtien, il y a fait différence dans petit bouche l'ouvri gagne en voisinage. Alors, il y a confiance avec raïssement. Dès dit chipoul, pas dit mal fini vinn prendre. Exactement. Par exemple, on capable voir dans communauté yo moun toujours gagne petit problème à moun. Mais depuis on répéter en dehors tout pour nous réunir, ça a apporté chaise, ça a apporté drap, ça a apporté pour parce que c'est la solidarité. Pour respirer, M. Evans, pour une question, vous nous dites que, en parlant d'assassinat de caractère, est-ce que quelque part la classe politique haïtienne, surtout la frange la plus radicale, va contribuer tout le sur les démystifier la présidence, un président, quand on traite un président de n'importe qui et de n'importe quoi? Moi, tellement mal. Ce n'est pas pareil que nous-mêmes nous avons dit en public. Est-ce que vous pensez que ça tout s'est par conduire? Moi, pas dire la classe. Le président vers sa mort, vers son assassinat, par exemple. C'est ça qui fait me parler du dernier assassinat. Parce que, il n'y a pas content des enfants, par exemple, content des gens qui font appel, qui disent, le président la Kaili. Ou bien, il y a Vilbrun Guillaume. Parce que l'autre, il y a Vilbrun Guillaume, quand il est jeune, qui va contre ça, Vilbrun Guillaume. Non, Vilbrun Guillaume, c'est ton président. En 1915, yo. Entre le prendre, en dans l'ambassade de France, côté l'État le caché, il y a lynché, tout y est, etc. Il y a des gens qui disent verbalement que nous avons marché pour un président. Il y a tout ça. Et des appels qui lancent. Des appels qui lancent, par exemple, à le prendre la caille. Vous comprenez ça, ça veut dire, l'homme nous chute à la caille. Parce que président, il est président. Mais il y a un entourage, il y a une famille, il y a un petit, il y a peut-être un capteur avec lui. Et puis tout le monde s'est retrouvé vie menacée. Parce que yo avec yon moun qui président, l'autre moun gen contention avec yo. Parce que nous capables gen problème politique. Parce que toujours gen problème avec moun. Là nous avons un proverbe qui dit langue ak dan toujours mordé. Mais rive le président Jovenel te remet en pile tout. Mais rive nan rayi moun nan, rive nan dénigré, nan vilipendé tout là. Et puis m'a dit que l'aime parler du dernier assassinat de monsieur Jovenel Moïse. Depuis que M. a monté sous pouvoir, même avant le prêter serment, il a commencé à assassiner cartel. Son GOT a accusé M. de bagaille, de chèque, de bail, il a confondu contre Gouda, contre Dola, etc. C'est ça qui fait que M. est inculpé, bien avant que le prêter serment soit obligé à le devant juge d'instruction, etc. Ça a été une erreur de sa part. Et bon, il n'est pas obligé de faire, parce qu'il était président élu. Et le fait de présenter devant le juge, ça fait qu'on relève l'inculpé. Mais on te fait bail à la part. Est-ce que c'est pas une façon tout pour le prouver que. Nous-mêmes, nous n'avons pas fait jugement. En plus, on a parlé de justice, mais on n'a pas besoin de justice formelle. Justice, ça est dans la rue pour le faire. Même gens, ou pour enquête qu'on a fait là, chaque monde a un bon résultat enquête par eux. Et nous n'avons pas gérer une société comme ça. Alors, moi, je pense que assassinat du président Jovenel Moïse, là, donne un exemple. Pour nous suspendre assassiner les gens. Et on ne va pas assassiner les gens physiquement. Mais les gens détruisent les gens. Même politiquement. Parce que moi-même, je suis fanatique de sport. Je ne parle pas de boxe. Parce que boxe a une torture, la dame des victimes de torture. Mais ça va dire que je ne garde pas boxe. Parce que le principe dans jouer de boxe là. Il ne faut pas frapper. Ou pas frapper en bas ceinture. C'est-à-dire que son président de la République. Il y a l'image de la présidence, parce que la présidence est une institution, c'est le visage du pays. Vous pensez que Mounio fait crime ça? Bon, on limite bagaille au cas de lui, bon gens pour traiter. Parce que Mounio fait crime ça, on dépasse les limites. Eh bien, nous dépassons les limites, mais pas oublier créer l'atmosphère. Je parle de deux derniers assassinats,
le terrain l'autre assassinat, assassinat de caractère, créer les conditions, gagnant un assassinat, on ambiance idéologique de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et mon yo saisi réaction peuple. Après, il a dit oui, gen bagay nous pas d'accord, gen bagay nous te kon revendiquer, gen bagay nous te reprocher, monsieur. Mais question pour nous venir touyer le comme ça, pour nous faire étranger venir touyer là, non pas accepter ça. Et bravo peuple haïtien. Bravo peuple haïtien pour comportement nous depuis l'assassinat du président. Il faut apprendre à faire la part des choses. Mettez chaque bagaille dans place. Et c'est ça qui fait moun. Qui est-ce que tu as de réaction peuple là davantage si, à l'avenir, bien dans les mois qui viennent, pas de résultat, bien pas de enquête, qui va y avoir un minimum de satisfaction sur le cas de ça, d'après vous? Pape, j'aime gagner aucun résultat satisfaisant. Parce que chaque monde qui est en tête, est un coupable. Pour une raison ou pour une autre. Et après ça, il y a des démarches qui sont faites. Chaque monde qui a un problème à un monde, ou bien. Parce qu'en général, il ne faut pas mélanger tout le bagaille. Il y a un monde qui a un problème à président, contentieux à président, contentieux ouvert, mais ça n'a pas le résultat assassiné. Ou bien, ça va arriver à l'assassiné. Il y a des gens qui ont mélangé le bagaille. On peut tomber dans une situation où on peut gagner trois vérités. La grande vérité qui est supérieure à toute vérité, c'est la vérité divine. Ça ne va pas toucher. Bon Dieu, ouais, tout bagaille, il connaît qui est Jean-Président, mourir déjà. Mais nous, tout là, nous obligés à faire supposition, spéculation. La deuxième vérité, c'est une vérité juridique. Vous ne voulez pas avoir un bon aboutissement, un bon monde, un bon monde qui dit que ça qui est faux, ça est un monde qui te fait, qui te exécuté criminel. Et pour quelqu'un d'autre sous lui. Pour quelqu'un d'autre sous lui, quand même, quel que soit les gens le passé, ou même si dans la réalité pays d'Haïti, que le FBI, il y a tout le monde qui l'a donné, pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, nous tombons dans une situation de suspicion, etc. Mais pour quelqu'un d'autre vérité que les vérités politiques. La vérité politique, là, c'est ça qui est dans la tête de monde. Et c'est peut-être de ça qu'on a parlé après pause là, M. Evans Paul. Et voilà, nous avons reçu pour vous, Madame, Monsieur, l'ancien Premier ministre Evans Paul, analyser avec nous, mais partager avec nous également, expérience parlée comme homme politique, mais qui, je vous dis, dans toute carrière, assister ou bien témoin comme mon rapide non génération de assassinat du président. En passant, c'est pour la première fois dans l'expérience politique. Vous, ah, bien sûr. Monsieur. C'est depuis 1915, ça fait 106 ans que mon président a été tué dans conditions violentes. Donc, mes vérités politiques, là, on a parlé de ça après pour cela. À tout à l'heure. Point de métropole. Monsieur Evans Paul, nous te promettons que nous te parler de vérité politique. Nous te parler de trois vérités. Son vérité juridique, son vérité divine. Nous te parler tout de vérité politique. Et c'est avec une approche de deuxième tranche édition. La vérité politique, président ça a coqué dans gauche. Et l'a répété Jovenel Moïse. Monsieur te dit le non-sens que tu es infaillible. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à trouver ça. Il n'y a pas assassiner ça, il n'y a pas exiler ça. Mais pitié, il n'y a pas de tout. Parce qu'on y en a fait un cadavre. On a fait un cadavre qui est vivant. C'est-à-dire qu'on est obligé de compter avec l'image de Jovenel Moïse. L'étape finie, 7 février 2022, qu'on ne va pas compter dans le encore. Parce qu'ils sont martyrs. C'est presque le cas de Jean-Jacques Dessalines. C'est la vérité politique. Vous mettez critiquer le vilipendel, tout le monde va mourir pour une cause. Et vous pourrez gagner qu'on y a pour faire face à l'héritage politique de Jovenel Moïse. Vous avez dit là, pendant ma temps, que même monde qui a assassiné Jovenel Moïse, vous avez apporté de votre poussée aujourd'hui là. Oui, parce que 7 février 2022, mission c'était fini. Et qu'on y a, monsieur, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Parce qu'ils sont martyrs. Et il faut que vous compreniez ça. Vous créez un martyr. Vous créez un mythe. Est-ce que vous avez dit que ce que Jovenel Moïse n'a pas fait de son vivant, et pendant qu'il mourit là, parce que l'image, et ça que les représentants aujourd'hui sont capables influencer et provoquer des choses, c'est soit avec ce prénom là. Eh bien, Haïti, c'est ça, c'est un pays paradoxal. Il faut mourir pour bon. Malheureusement. Dessalines, il était tout, il dans condition, tout le monde était connu, etc. Plus de 200 ans. Mais Delphine mourit, déporté. Bon, alors, Jovenel Moïse, mon baril, une particularité, oui. Il y a près de 50 ans, il n'y a pas de cité dans Dessalines après la mort. Mais Jovenel Moïse, il y a des gens qui campaient. Qui défendent, vous comprenez, qui condamnent ce qui passé. Et il y a une évaluation qui a été faite qui est un gens éhonté. C'est vrai, l'image du président Jovenel Moïse était très affectée. Mais il y a un support dans la ville provinciale. Certains côtés ont des projets qui ont été faits, qui ont été
approprié de projet ça. Et c'est ça que peut-être Guéant Pelmou qui te dit que le pays a pas résumé à République de Port. Exactement, il faut qu'on fasse très attention. Mmh. Alors maintenant, la mort, ou bien assassinat, président Jovenel Moïse, lui vient engendrer trois gros problèmes supplémentaires. En plus, problème pays a été gagné déjà. Nous gagnons une crise de succession. De premier ministre? En qui était dans la succession, il n'est pas premier ministre seulement. Succession est beaucoup plus large. Parce que succession a gagné une situation de suspicion. Ou après, il y a un cadavre là. Parce que quand il y a un cadavre là, pour retirer les gens sous scène politique, pour dénoncer les gens, etc. Chaque fois qu'on a fait une enquête par eux. Et on gagne un sentiment d'indignation. Qu'est-ce que je comprends dans le pays d'Haïti? Terre, à travers Chalmay Péral, Benoît Badaville, pour nous défaire de l'occupation américaine. Je dis à tes conseils, c'est normal tout pour nous attendre l'occupation américaine. C'est normal que les gens qui m'ont dit, les gens dans la population, qui sont bien contents blancs, viennent de nous. Est-ce que c'est pas parce que vous avez perdu face à ça qu'on fait là, je veux dire? Non, je ne pas reprocher mon nom. Parce que nous créons une situation qui fait même mon sodignité patriotique, nous devons perdre. Nous d'accord qu'on n'y a pas pour rien, blanc met vini de nous parce que nous, et puis nous continuons à faire des ordres. Et les leaders actuels, pas même envoyer une autre image à monde désespéré, c'est l'espoir qui s'en va. C'est une honte que qu'on y a et puis fort ici à veiller qu'il est. Premier Américain va rentrer en Haïti pour venir d'eux, etc. Mais ça, il ne faut pas comprendre. Situation géopolitique l'a changé. Dynamique, là, je vous dis. C'est vrai, on dit ça plusieurs fois. En un siècle, il débarquait trois fois en Haïti, il débarquait en 1900 politiquement. Il n'a pas besoin de risquer à l'occuper militairement. Parce que l'envoi des soldats dans nos pays sont des qui très risqués, des controverses, tout, des comme cap dépensé, gagner les adversaires du pouvoir, et si des soldats mourir, qui fait qu'il n'y a pas tellement chaud sur ça. Il n'y a pas obligé de faire si une situation dépassée. Moi, pour être très hésitant pour arriver là, et nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes contre ça. Là, nous sommes gourmets pour nous retirer le pays sous occupation. Mais je dis, c'est comme si nous attendons ça. Nous avons gourmets entre nous. Nous plutôt tous les Jovenel pour nous dire blanc venez de nous. Si ce n'est pas sérieux. Nous te dit c'est Jovenel qui problème là. Alors, il y a un groupe monde qui te dit que c'est Jovenel qui problème là. Si on peut stipuler n'importe comment un des l'absalou, n'a pas prendre certaines déclarations de quelques leaders politiques, faut qu'il y aille 7 février 2021 même avant la bataille qui est faite parce que selon les leaders ça aussi qui problème là que le président d'alors l'assassiné était lui mouri toujours une bataille politique. Comment comprendre la situation ça monsieur Bansport? Il y a une bataille politique parce que justement nous tombons dans la crise de succession. On parlé de crise de succession. Bon, succession immédiate. Qui on parle sur le plan politique. Sur le plan politique, parce que le pays n'a pas été arrêté dans le vide. Bon, succession immédiate qui peut mener à l'élection. Bon, succession ouverte. La succession immédiate, là, c'est la combinaison pour bon gouvernement intérimaire de transition. Jean Léry, il est là. Mais le bras le présent. Au bras le ouais, et sur l'échiquier politique, là, le bras difficilement pour un candidat, le bras le Jovenel Moïse mal. Difficilement. Alors que si l'élection a été faite, l'élite là, c'est à choix le bataille là, c'est à Jovenel Moïse pour abîmer, c'est lui-même responsable de toute gang dans le pays, là, c'est lui qui vole tout le corps pétro-caribé, c'est lui qui a fait tout le bagage qui va bon. Et m'a dit que y a une petite question de discrimination là-dedans. Tout. C'est-à-dire Jovenel Moïse sorti en province. Son est grandeur. Son est grandeur. Et même s'il était venu à l'école Port-au-Prince, mais qu'il a vécu en dehors, etc. Depuis jour au monté sous palais, il a attaqué, sous gens habillés, etc. Le président, c'est l'image du pays. C'est-à-dire que la présidence, c'est une institution. Un président pas habillé, j'en ai vu. C'est-à-dire que le protocole du palais est responsable. C'est pas président. Il n'est pas obligé. Et qu'on est qui gens pour l'habiller, etc. Il va dans l'école là pour le président. Sauf. L'image du président doit être préservée par la République. Donc, que ces petites limades, ni gens pour comporter, gens pour chita, gens pour pâcher, gens pour parler,
Parce que le président, c'est l'image du pays. Et si le président mal présenté, c'est tout le pays qui a mal présenté, qui a une responsabilité institutionnelle. C'est comme ça pour nous. Et pas bah, qui côté il est sorti, si c'est Negrand Dios, si c'est la ville, il faut nous suspendre la bagaille ça. Parce que n'importe qui monde qui a président, si c'est démocratie, nous choisit fait. Et aussi, le président assassiné Jovenel Moïse, c'est même qu'on dit ça. Il a fait ça, hein, c'est parce que X, Y, parce que c'est paysan. Au point que le fait de ça, discours pas du tout. Peut-être canard pour le monter de table. Donc, dans la campagne pour l'implémentation du projet LIO, peut-être lui-même, tu es conscient de la situation de discrimination qu'il a subi. Alors, les mots reconnus, il faut respecter la mémoire. Je ne vais pas l'antagoniser avec un mort, avec un monde qui mourit tragiquement. Bien, ça passé. Mais il n'est pas obligé de dire ça lui-même. Parce que le président, il faut toujours mesurer ce qu'il a dit. Parce qu'il y a tellement de monde qui ne peut pas aller pour vous. Et président, je vais vous dire une situation, c'est le cap défendre tête. Au cours de ces deux dernières années, presque. C'est comme si vous demandez ça qui est passé. Côté appareil gouvernemental là. Et non sans ça, M. Evans Paul, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut jamais laisser à un président l'opportunité de porter sa parole. Il a toujours porté du mal ou difficilement parce que la parole d'un chef doit être soignée. Donc, chaque mot est discours, chaque phrase est l'histoire, etc. Mais pour en pile, un président parmi eux, notamment avec le président Jovenel Moïse, nous toujours dit n'a pas avec cœur, non. N'a dénoncé peut-être ce qui est dénonçable et en plus de lire. S'arranger pour que la parole du président soit une parole mesurée. Président, la politique, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de conséquences de ce qu'il a dit, ou pas qu'il a dit n'importe qui bagaille. Même vérité, il faut qu'on ait qui dit. Parce que toute vérité n'est pas bonne. D'ailleurs, même paysan, il y a comme ça. Paysan qui pas fait gros à l'école, gros nouvelle là-bas, ou qui j'en pour le beau des nouvelles là. Il n'y a pas d'écrit, il y a comme ça, tout le monde mourit. Il va rouler, il va, etc. Bon, si de l'eau, il doit être pas bon, non. Un tel l'hôpital, un tel débat. Il commence au fort. C'est autant depuis mal, c'est l'enfant. Exactement. Mais nous ne sommes pas capables nous-mêmes nous arriver. Et ceci est valable et pour le président de la République. Mais il va là tout pour le monde qui aspire à venir président. Ou pas qu'à dire n'importe qui bagaille dans l'autre monde, dans concurrent politique. Pas qu'à dégrader le monde. Là, on va parler avec l'international. Moi-même, toujours pour précaution, je fais toute vie dans l'opposition. Mais on ne peut pas m'entendre pour attaquer le monde sous physique, sous origine sociale. Nous n'avons pas le droit à faire ça. Je dis, en pile de leaders haïtiens, prend sa forme, je parle de bataillon, les valets rencontrer l'international. Récemment, le sénateur Joseph Lambert font tweet comme ça pour lui reprocher à ce que le premier ministre haï a dénigré le premier ministre nommé par devant des diplomates américains lors d'une rencontre. Si ça t'a fait, c'est une honte. Moi-même, moi, pas aimé attitude ça. Pas aimé attitude ça. Et me toujours gêné. Me toujours gêné les des rencontres. Et puis, tout le monde prend blanc pour un juge. Il y a porté blanc plainte. Un tel fait ceci, un tel c'est celui-là, un tel c'est celui-là. On ne fait pas ça. Ça a été le cas avec le EA récemment. Oui. Moi, ça. Tout le monde prend pour juge et puis me garde mon cap, garde mon avec la peine. Il y a garde nous avec la peine. Il faut nous changer. Vous êtes allé porter plainte contre Jovenel Moïse. Mais c'est là depuis tout. Mais c'est pas. Il commençait depuis très longtemps. Disons. Sous Duvalier, c'était comme ça. Bon, ok, on était monté à Washington, Duvalier, pas beau, etc. Ok, c'était un dictateur, tu comprends, etc. Duvalier est tombé. Même bagaille. C'est même bagaille, tout ça qui vient après, ou pas bon. Mais il faut qu'on côté, nous mettons d'accord sur Régio. Parce que si nous ne mettons pas d'accord sur Régio, nous ne pouvons jamais avancer. Alors, si nous n'avons pas les deux crises de succession, il ne faut pas prendre comme une question de remplacer Jovenel Moïse. C'est une question d'assurer la continuité de l'État. Mais c'est une question tout pour nous connaître ça, nous pourrons le faire avec le pays. Et dans la bataille politique qui est aujourd'hui, sous succession immédiate du président Jovenel Moïse, il y a un élément pour nous considérer, un élément fondamental. Le président Jovenel Moïse, il n'a pas renversé, c'est assassiné. La différence. Soit tu es renversé, ou tu es dans l'opposition, c'est au renversé sous force, peut-être tu es capable de revendiquer le pouvoir. C'est-à-dire l'opposition en a encore pris un coup avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Pas dit opposition. Oui, un coup, c'est-à-dire, si vous avez expliqué la question à travers peut-être des éléments, même après la mort de Jovenel Moïse, cette opposition se bat encore pour avoir quelque chose. Parce que l'opposition, ce n'est pas une organisation.
L'opposition n'est pas très polarisée, tout n'a pas de contradiction dans le temps de tout. L'opposition n'a pas un projet, l'opposition n'a pas un leader, pas une opposition unie. Et c'est ça qui explique la crise là tout. Il n'y a pas d'offre et alternative à ça à proposer. Par exemple, vous ne pouvez pas remettre la gouvernance, Jovenel Moïse, PHTK, etc. Mais le peuple a pour rejoindre l'autre offre qui dit, mais en quoi nous-mêmes nous meilleurs? Sur le plan économique, mais ça nous pourra le faire. Sur le plan social, mais ça nous pourra le faire. Sur le plan sécurité, mais ça nous pourra le faire. Pas une parole comme ça qui parle. Mon yoré, son affaire de retirer, mettez, mais c'est de ça qui est la question. Et je dis à la discussion qu'a fait là, montrer ça. Personne n'a pas réfléchi à parler parce que Jovenel Moïse était le diable. Mais on est d'accord pour parler avec la descendance politique de Jovenel Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du côté immoral là-dedans. On a aimé le père, mais on aime le fils. Oui, mais c'est pas normal. Alors moi-même, moi, je voulais profiter de l'opportunité au bon matin hein, pour me lancer un appel à la responsabilité. Il faut faire très attention à ça pour le faire pays. Chaque monde responsable, Zachli, pas stigmatiser le monde. Nous sommes pays pauvres déjà. Tout le monde, c'est le monde fini. Tout le monde en Afrique nous sortit, même si nous sommes majorité des Noirs. Tout le monde, c'est le monde vini. Affaire de pour un groupe monde, pour dire c'est vous-même qui fait ceci, fait cela, vous mettez tout dans le même panier, vous avez droit à un monde, dans chaque sensibilité, dans chaque communauté, c'est un monde. Et moi, j'ai une note dont certains Raphaël Jarre qui écrit dans ce sens-là, pour dire que ce citoyen haïtien fait en Haïti, même s'il est Jarre, même si peut-être Paul Clair, et que Gonfrel y a accusé, mais faites attention. En matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ça veut dire que il y a une tendance pour orienter les bagailles sur le monde. Mais classe, groupe, monde. Non, non, pas entrer dans les bagailles. Et je fais référence historique. Même des salines dans la révolution. Là. Après, il dit faites attention, protégez père, protégez docteur, protégez professeur, parce qu'on a besoin de monde pour faire pays avancer. Je dis nous avons besoin de justice sociale, de équilibre. C'est vrai, je dis bouillon bon. Mais c'est vivre ensemble, non. C'est négocier pour négocier on a l'autre, pour nous créer harmonie dans la société. Mais ce n'est pas dans la confrontation qu'on a. Justice sociale, là, il faut chercher un gens pour nous ranger sans que nous ne crasions au profit de l'autre. Il faut tout le monde vivre dignement. Et c'est ça, moi-même, qui message moi. Hein. Et c'est plus gros service nous avons président Jovenel Moïse, pays. Si nous faisons un effort de dépassement, pour nous reconnaître, je veux dire, il n'y a pas un pouvoir à prendre, il y a un pouvoir à construire. Il n'y a pas de pouvoir. Et nous, chita là, sont en situation très fragile. Maintenant, je m'attends des métropoles. Ça a passé dans Matissan. Pouvoir, c'est quoi? C'est protéger la population. Je veux dire, qui est-ce qui dit qu'il y a une solution à un problème? Ça, yo. Et foi, peuple a senti. Moun kap fait politique yo côté dans sensibilité Jovenel Moïse côté dans sensibilité opposition c'est ça qui préoccupation dans dernière intervention que vous faites sur métropole monsieur Evans Paul parlait de la dernière volonté politique du président Jovenel Moïse qui c'est une nomination de Ariel Henry comme premier ministre et 48 heures plus tard c'est l'histoire il y a une confusion ça hein? Est-ce que les mêmes peuples vont pouvoir et il y a Claude Joseph qui en fonction, qui dit que c'est les mêmes qui ont assuré l'intérim vers les élections d'après du PIA, parce que c'est les mêmes qui, les premiers ministres, qui rentrent en fonction. Petit rappel, même s'il était en salué l'arrivée du premier ministre Ariel Henry. Donc, à ça, qu'est-ce que tu as dû faire si tu as dû gagner des leaders responsables réellement, côté que tu as pensé pays qui dit non, 48 heures, 72 heures ou plus, pour que bon, solution, bon, présentation, au moins, ils ont. Symbole d'unité qui est soumette à la nation, dans la classe politique par exemple. Qu'est-ce qui devrait se faire d'abord? Moi, je pensais que tu gagner une entente entre les deux premiers ministres ambigus. Là, je dis ambigu parce que M. Joseph était censé bailler démissionner, tu as l'autre arrêté qui nomme l'autre monde, etc. Docteur Henry pour le co-installer. Alors, chaque monde a un petit morceau dans la main, chaque monde a un déficit par eux. Maintenant, quand ça ne va pas chita là pour nous régler, moi même pas là tous les deux, je me dis, monsieur, entendons-nous, venir devant la nation, en bagaille raisonnable,
Je ne prends pas une position en faveur de nous contre l'autre, parce que je pense que c'est deux Haïtiens valables. Et je toujours salue fort le Premier ministre Claude Joseph te fait, à quel que soit le titre qu'il te fait là. Si pas de grand monde qui gère la situation immédiatement après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons un chaos. Le fait qu'il était pour communiquer, il dit mais ça qui passe, il prend disposition, il évacue la première dame à l'étranger pour ne pas mourir. Il y a des bagailles que il fait. Des mesures qui ont été prises. Des mesures qui ont été prises. Bon, maintenant, quand il y a le liquide de la plaque des affaires, il n'y a aucun problème avec ça. Mais M. Dr Henri et Dr Joseph, je pensais qu'ils étaient capables. Je n'en entends bon, dans un premier temps. Le acteur qui est entré en jeu là, c'est le sénateur Joseph Lambert. Le sénateur Lambert, il gagnait, il représentait le tiers du Sénat qui était là. Eh bien, ils sont troisième acteur. Ils sont troisième acteur. Il y a l'autre acteur toujours. Cependant, je connais Jean-Marie la polarisé. Il y a un monde qui a dit qu'il faut un consensus là, absolument large. D'ailleurs, le consensus là, on a le dit, en dehors de la loi. Parce que nous sommes déjà en dehors de la loi. Non, Mamadou Ouare, en démocratie, nous disons pour l'état de droit. Si nous avons la capacité pour appliquer la loi, nous n'avons pas besoin de chercher consensus tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps un consensus. Nous avons parlé de transition de rupture, il faut un consensus de rupture tout. Consensus veut dire que nous trouvons compte mal taillé d'entendre nous. C'est pour nous mettre d'accord sur les règles. Par exemple, il y a un problème de constitution aujourd'hui. Il y a des jeunes qui font une constitution pour tête. Li. Voilà que gon problème dans le pays, nous n'avons pas une réponse dans la Constitution. En février 2021, tout le monde a laissé frapper. Te gen moun ki chita sou article 134.1, président chita sou 134.2, même Constitution, chaque moun kembe mousso et puis n'a fait laisser frapper. Jodi, c'est l'article 149, chaque monde a une interprétation par eux. Il y a un problème de constitution. Si nous ne résolvons pas le problème. Un problème d'homme, tout simplement. Un problème constitution. Parce que, question règle, si nous ne résolvons pas le problème constitution, et ce n'est pas une constitution qui a résolu comme ça, non? Il y a un mécanisme, genre constitution, pour l'établir. C'est-à-dire, former tes outils dans la constitution qui pour assurer. Application constitutionnelle, comme la Cour constitutionnelle que nous avons fait. Alors, ça fait quand même qui dit que la constitution, ça, que nous avons reproché, que nous n'avons même pas la changer, nous n'avons pas jamais appliqué réellement. Donc, nous avons une institution en dedans, la constitution, ça, que nous n'avons jamais mis sous pied ou sous mentionné. Eh bien, c'est faux savoir. Pour qui ça met au pôle son institution? Parce que nous avons l'œuvre émission, en fait. Chaque responsabilité. Mais c'est ça qu'on fait. C'est respect des règles. Ouais, pour mes pour me mettre dans le c'est pas qui monde qui va le président, qui va le premier ministre, non? C'est qui règle. Parce que si nous mettons d'accord sur règle, et puis n'a pas appliqué règle, et puis n'a pas besoin voir. Mais si c'est au gré de la volonté de chaque monde, bah là pas résultat. Alors nous te posons une petite question qu'on est souvent les journalistes ou simples citoyens lorsqu'on pose une question toujours bon ou vont s'y attendre lorsque me demandez vous dans 72 heures qu'a venir là si qu'on va arrêter de fait. On parle pour leader ou mon tableau pour pouvoir, je veux dire, ça est cadré, ça est cadré. Moi-même, moi pensais qu'une entente entre les trois, Il n'y a pas que trois jours, 72 heures. Les trois acteurs principaux, savoir le Premier ministre, c'est Ariel Henry, me dit déjà, c'est incarnation dernière, volonté politique président. Le Premier ministre, c'est Claude Joseph qui joue un rôle important, il faut nous reconnaître ça, il faut saluer ça. Et le sénateur Joseph Lambert. Et puis maintenant, il y a élargir à l'autre monde. Mais nous ne pouvons pas faire pour imposer une révolution faite. C'est-à-dire que si nous pouvons le faire, on chita parler. Nous avons déclaré un surnom, d'accord, il faut un chita parler. Mais chita parler, il faut le chita sur des bagailles fondamentales, pas sur discussion pouvoir. Discussion pouvoir, il y a une élection pour le faire. Et nous avons déclaré un dit ça tout. C'est un pouvoir pour le faire. Je dis, c'est pour nous jouer une entente minimale pour assurer la continuité de l'État. Pour assurer que l'enquête sur l'assassinat président l'y aboutit. Et pour nous organiser funérailles. Pour organiser funérailles président. Et il n'a pas l'aide à assurer la continuité de l'État. Le pays n'a pas qu'à bloquer seulement. Et nous avons dit que nous avons tout pour le matin sous question du président qui a assassiné. Reste, il faut vivre, il faut assurer comment démanger, il faut assurer le gaz, il faut assurer. Il va continuer tout le monde, Matisse, bandit, pas faire la loi. Mais il y a une urgence. Alors, 72 heures à toi, on a dit 24 heures.
Est-ce que le leader Sélaïo, qui en DS qui succède dans Jodia, conscient que si rien n'est fait dans un futur non lointain, nous capables de subir une intervention militaire? D'ailleurs, c'est il y a un autre enjeu qu'à discuter et sur la scène nationale et sur la scène internationale au sujet d'Haïti. Donc, question intervention militaire. Intervention étrangère, tout simplement. Intervention étrangère, bon, la France parle de policiers, etc. Oui, bon, intervention. Nous pas même mettre ça. Bon, nous ne pouvons pas contrôler ça, nous ne pouvons pas empêcher. La seule chose, il faut que nous ayons des têtes, nous, des gens qui ont une mission par là. Il faut que nous ayons des interlocuteurs au moins. Qui sont capables de dire. Par exemple, l'on soldat étranger entré dans le pays, il y a un bandit. Pourquoi on fait qu'on ait M. Dezogis pour un bandit tout? Tout le monde, lui, il dans la rue, il a tiré sur, mais n'importe qui est en danger. Il faut qu'il y ait des allocuteurs qui disent, mais qui jamais, non, qui cadre, mais comment, etc. C'est-à-dire que c'est un pays, et puis il faut limiter le tout. Alors, la petite histoire, il y a une autre étape avec une intervention militaire qui a fait un pays, et puis il y a un groupe de monde qui dresse les listes toutes ennemies, et puis on a une institution qui n'a pas de problème, et puis il y a dit, X, c'est base, par exemple, terroriste, et puis on n'y a pas rien avec ça, ça, c'est l'autre enjeu que nous devons tenir compte de lui, même dans le mode d'action que nous avons pris pour éviter le pire, peut-être. Non, c'est ça, côté où ils ont utilisé des situations politiques, ils ont utilisé une force étrangère qui vient là pour faire vengeance avec les baïpaïos, mal orienté soldats, ça qui arrive, puis ça qui a créé scandale. Et ça qui fait les Américains très prudents sur la question ça. Et même gens, il y a des gens qui ont essayé d'utiliser le cadavre du président Jovenel Moïse pour régler les comptes politiques et tout. Il y a des fois, gars, il y a des journaux qui disent bon, on a tendance dans le pays. Voici métropole de bagaille. Il n'y a pas de vérité. Mais n'importe quel journal étranger qui dit. C'est la vérité absolue. Même Jean Blanc vient là, il dit tel dit il est lié au droit de président ou il jongle. Non pas qu'à là, c'est haïtien descendant de Saline, pas comme ça, comment on fait, comment on fait accepter ça? Mais peuple a pillé éclairé parce que avant radio parce que peuple pas d'accord. Et ça fait peuple arrêter mercenaires. Si peuple a dit quoi dans ça, il t'a le caché, oui, mais sinon il a dit, mais papa blanc, il t'a encadré ou bah au côté puis au caché. Et intelligemment, il a arrêté eux, pas tué eux, c'est parce qu'il a besoin d'explication. Bon bagaille, je dis chapeau au peuple haïtien. Je sais, Van Spon, nous pas finir avec l'émission, mais nous avons besoin de message peut-être. Pour le monde qui a une expérience dans la politique, on est acteur, donc vous pouvez prendre l'asile, les gens qui ont demandé avec les gens, c'est qu'on est les gens. Certainement, tout le monde qui est sur cette scène-là, un jour ou bien l'autre, vous avez rencontré, vous avez parlé avec vous. Vous avez tout. Je ne vais pas dire écoutez. Je me dis, vous n'avez peut-être pas exécuté ce dia. On nous dit autant d'eau. Vous avez peut-être une d'action, oui. D'exécution de la parole. Un message que, au moins, dans les 72 heures, ou même des 72 ou 24 heures, peut-être 24 heures. Il y a une urgence. Un message. Non, à ces acteurs, à la population aujourd'hui, parce qu'on est tous perdus. À la place où je suis, comme simple citoyen, tout le monde est perdu, je le dis. Un mot. Sois raisonnable. Monsieur Jovenel Moïse n'a pas été renversé, mais assassiné. Et puis nous avons un pays qui est sous la grabat. Nous avons un effort. Il faut nous transcender. Pas qu'un compte pour nous régler à l'autre là. En nous faisant pas un vers l'autre pour nous voir si nous avons sauvé ça qu'a sauvé pour éviter le pire, pour éviter le chaos. C'est mon message à mes compatriotes de tous les camps, de toutes les sensibilités, l'héritage du président Jovenel Moïse et l'opposition qui était en face. Merci beaucoup, M. Evans Paul, d'avoir été.